Yo, tout le monde, c'est Thiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War. On joue les jets et on s'est arrêté avec une petite armée. Oui, c'est méchant de ma part, je mets un peu le suspense. Mais bon. Ne m'en tenez pas rigueur, enfin j'espère que vous m'en voudrez pas, mais de temps en temps, c'est. Vous savez, c'est comme dans les bons feuilletons où. La réponse après la pub. Bon, sauf que là, il n'y a pas de pub. Enfin, j'espère que vous n'avez pas de pub. Parce que sinon, c'est embêtant. D'ailleurs, ouais, est-ce que vous avez des pubs? Normalement, non, il n'y a pas de raison. Bonne question. On prend Olbia, donc. Petite résolution automatique, hein, voilà, pas de problème. Je vais piller, je vais raser, de toute façon. Et de toute façon, je crois que j'ai désarmé dans les deux. Ah bah y'a que là. J'ai pas d'armée dans les deux du coup vu qu'il y a que là. Allez. On fait de la nourriture à gogo. C'est très très bien. Tout ça on n'en veut pas. Voilà, on va dissoudre une partie quand même de l'armée. Ouais, ils sont deux. Ah, vous savez quoi? Hop. Ouais, tout ça je dissous. On fusionne. Et on est bien. J'ai vu qu'il y a une petite armée, les prétendants de Kama. Je sais pas qui c'est Kama, mais elle a des prétendants. Qui sont en route pour Petrodava. Donc j'ai juste fait une petite embuscade. Voilà. Petite embuscade, ça marche bien, c'est efficace. C'est toujours sympa. Je vais m'avancer à ce niveau-là, au niveau de Curia, je vais sortir, je vais faire un fort. Je vais un peu forcer leur attaque. Enfin, les forcer un peu à m'attaquer. Darcy, ouais, il est là. Là, on est pas mal, hein. Et on va faire un peu de construction. J'ai pas une armée que j'étais en train de faire, non? Il me semble que j'ai trois armées, j'en ai une là, j'en ai une là, oui, c'est ça. Ah c'est ça que je... Non mais c'est bon. Oh là là, c'est... Je suis en mode... Ah oui, il y a ça. Non, bah non, en fait, non, il n'y a pas ça. Ah mais si... Ah bah non, 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 toujours pas. On sait plus où donner de la tête. Mamie, comme on dit. Voilà, là on va faire ça. Ah ouais, quoique ça risque d'être limite niveau ordre public. Quoique, on a 11. Ouais, oui, ça ira. Au niveau de Istros... J'ai une armée, donc je profite pour faire un peu d'argent. Là, j'ai les disciples de Cotis qui sont bien. Ça se passe pas mal tout ça, hein? Ça se passe pas mal du tout même. Faudrait en vrai que je recrute aussi des diplomates. Je sais pas comment ça s'appelle, des druides, diplomates, missionnaires, en fonction de la faction, ça change tout le temps. Pour... Quoi? D'accord. Donc il passe par les Rome, par Rome. Non mais tranquille, tranquille, c'est cool. Oula, ouais, j'ai pas beaucoup d'armées par contre de corps à corps, ça c'est pas cool. Beaucoup de lanciers Touléos. Ouais, bah le but ça va être de casser de la cavalerie quoi. C'est pas trop trop chaud. Bah ça je l'ai pas vu venir. Je l'ai clairement pas vu venir. Ouais, il m'attaque de par Rome. Qu'est-ce que tu veux? Après ça peut faire en sorte que Rome il se voit, il s'entende mal avec Massilia, ça me va. De toute façon. Ce que je vais faire, c'est que je vais toujours relâcher ses troupes. En relâchant ses troupes, je ne me prends pas les malus romains et lui se prend les malus romains d'ailleurs. Voilà, on va rapporter toutes nos troupes. Ouais, j'ai vraiment que dalle par contre, encore à corps, c'est horrible. Heureusement, j'ai de la tactique face à de la cavalerie. Et ça va me sauver.
C'est quoi ça? C'est moyen, très lourde, ouais, forcément. Légère, légère, moyenne. Ok. Ouais, heureusement, j'ai de la cavalerie très lourde. Je vais mettre les tirailleurs ici. Juste derrière, je vais mettre les archers. J'ai mon dernier cavalier, donc là, c'est ma dernière cavalerie, hein, le commandant. Le général, pardon. Hop! Tout ça, je leur retire le fort monté. Je les mets en mode garde et on va voir ce que ça donne. Voilà. Pour l'instant, je vais laisser la cavalerie là. Si jamais ils veulent passer. Ah! Mon général est vu. C'est pas cool par contre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner eux. Et je vais vite y aller. Parce que j'ai pas envie que la cavalerie elle prenne des dégâts là. Que mes archers prennent des dégâts. Pas envie qu'ils prennent bêtement des dégâts. Allez, on se bouge, les gars. Feu à volonté sur, sur la cavalerie de tirailleurs. Hein. Ah non, là c'est mon général que vous tapez. Hop, stop, 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 stop. Hein, on peut voir, il n'y a pas eu besoin. Allez, hop, tactique face à la cavalerie. Oui, non, peut-être. Peut-être. Ouais, tu parles, ça charge pas, c'est pas intéressant pour l'instant. Eux, on l'a tiré là. Voilà, on va retirer cette formation au coin qui est absolument infecte. D'accord, eux ils veulent pas, peut-être, oui, non. C'est quand vous voulez, allez, force ça là. Allez, là par contre, on met la tactique face à la cavalerie, les gars. Voilà, ce sera efficace là contre les unités de. Les unités montées. Ok, les tirailleurs, là, on va leur faire faire feu sur le général ennemi. Voilà, en plus, on va faire un bon petit rechargement rapide, ça c'est bien. Là au niveau des cavaleries tarentines, ouais, elle perd pas mal. Elle est rechargement rapide également au niveau de la cavalerie tarentine. Ensuite, je wow, les dégâts sur le général, toi. Allez, on continue, on continue, on continue. Astolos. Oh, il y a énormément d'unités à distance par contre. Wow, regardez les dégâts que ça fait en zone là. C'est magnifique. Cavalerie de Massilia, ils sont en train de tomber. Ok, on va se replacer là derrière. Voilà, là on fait feu ici. Le général il s'est barré. Homme lime. Alors là on va forcer le contact au corps à corps par contre. Voilà, ça évitera de se prendre des tirs gratuits. Et là derrière on charge par contre. Tac. Alors on charge le peltast. Tu me parles d'une charge un peu pourrie, mais une charge est une charge, comme on dit. Hein. Hop, voilà, on va changer de focus, voilà, pour pas trop faire de dégâts non plus à mes propres unités. Hop, allez, tout ça là. Allez, on charge, je veux pas savoir. Général mort, ouais, c'est parfait tout ça. Là, on fait bien baisser le moral. Là, on tire bien sur ces unités derrière, ça fait du bien. Alors, on n'hésite pas les gars, là. On donne tout ce qu'on a les gars. Vous avez encore des munitions? Oui, vous avez encore des munitions, c'est très bien. Hop, changement de focus, et focus lui maintenant. Ça se passe pas trop mal hein, jusque là. Ça se passe pas trop mal, et là dès qu'on aura eu... si on arrive à se débarrasser là deux assez rapidement, bah on pourra faire une recharge par l'arrière. Hein. Regardez là, ils ont pas mal de pertes en vrai. J'ai un peu de perte aussi au niveau d'une cavalerie, enfin d'une de mes unités, j'aime pas ça. Faut dire que j'ai une cavalerie de choc, donc le contact au corps à corps c'est pas ouf. Donc je vais reculer, je vais refaire une petite charge. Voilà, en plus je me prendrai plus mes propres tirs alliés là.
Voilà, c'est tout bingo ça. Hop, regardez ça. Et 3 d'un côté. 3 de l'autre. On arrête le feu ici. Et on va tirer un peu plus par là. Ici, c'est parfait même. Là, voilà, ils se prennent bien les bonnes charges là. Oh. Bon alors là, dévastateur. C'est dévastateur. Cavalerie très lourde contre des unités moyennes, dévastateur. Regardez-moi ça. Ils ont pas perdu leur moral hein, par contre. Hein. Ils se font bousiller, mais ils vont bien. Ok, les DAS. Les tirailleurs, je veux dire. Ils ont presque plus de munitions. Là-bas, ça, ouais, ça commence à vaciller. Hein. Tu m'étonnes, ils sont 21. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Voilà, ouais. Mes unités d'archerie, pareil, qui ont presque plus de munitions. Allez, on grouille. Ah, j'ai une unité qui commence à un peu trembler. Voilà, écran de bouclier ici. Ces trois unités ont plus de munitions. Ok, là c'est bon. Allez, dans le tas les gars, dans le tas. Ouais, dans le tas ici même, c'est mieux. Pourquoi ils sont pas... Voilà. On les fait courir, aller au galop. L'attaque par l'arrière, voilà, c'est la perte de morale qu'il fallait. Hein. Hop, c'est fini. Victoire héroïque, 284 pertes pour moi contre 2049. Hein, sachant que j'ai même pas utilisé mes unités, donc ma flotte. Hein. Rien n'affiche, pas besoin. Nombreux en plus hein. Oui. Ils étaient plus nombreux mais moins fort. Allez, on relâche, toujours pareil, et on verra, une fois que Rome sera moins copain avec lui, bah on ira l'embêter hein. Ah, j'ai perdu un... Oui, on va recruter. Ce qu'on a vu la dernière fois, on n'était pas très très bien au niveau des... Au niveau enfant, voilà, donc hop, on la recrute, elle a 19 ans, c'est parfait, elle est très jeune. Alors elle a certainement de bons enfants. Là pareil, on marie. Voilà. Très bien tout ça. Alors, est-ce qu'on poursuivrait pas? Bien sûr qu'on poursuivrait un peu. Non, d'ailleurs, on va faire de la défense ici. Résolution auto, voilà. On relâche parce qu'on n'est pas méchant. Surtout qu'on veut des bonnes faveurs, hein, le reste on s'en fout. diplomatie. Action militaire contre Massilia. Je vois pas de quoi tu parles. Affinité culturelle, allez, salaud. Bon, ils ont moins 15 hein, quand même, hein, guerre contre Daciotrace. Ah oui, il y a des Boyens ici, tiens. À se méfier à Malva. Je vais lever une petite armée quand même. Je vais rétablir l'héritage là des courroux de Zabazio. Ici on est bien. Je vais lever une petite flotte au niveau de Nicomédia. Pourquoi faire une flotte? Ça ne sert à rien. Si, dans certains cas. Voilà. Ce que je vais faire, c'est... Est-ce que je ferai pas du mercenaire? Ouais, non, ça coûte cher, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que j'ai besoin comme unité? Une unité pourrie, hein, ça me va. Ah ouais, ça va mettre du temps. Ah ouais, ça va vraiment mettre du temps. Messieurs, Saligium. Ok. Voilà, ici je vais recruter quelques lanciers lourds, hein, pas plus, ça devrait faire l'affaire. Comment puis-je vous aider? On se déplace discrètement. Ah ouais, il y a la route de
culture aussi qui peut être embêtante. Je suis prête. Ok, on va remonter tranquillement la voie vers Galicé. Et si je vais monter une flotte simplement pour faire un blocus sur Nicomédia pendant que je serai en train de faire un siège. Voilà. Doublement bénef. Si je vais améliorer mon armée. Oh, ça a coûté cher! Je vais recruter quelques lanciers lourds. Oh, ça a coûté plus cher que prévu. Aïe aïe aïe! Aïe 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 aïe! Ok, eux ils veulent pas passer, bah à leur aise. Hein. De toute façon. Rome vous souhaite. Faudra que je donne un peu d'argent à Rome pour les rendre heureux. Parce qu'ils sont pas mal, ils sont pas heureux, ils sont malheureux, Rome. Ils ont pas d'argent, ils m'aiment pas trop, tu vois. Voilà. Voilà, histoire d'avoir les bonnes faveurs, surtout. Alors, Vae Victis. Malheur vaincu. Ah oui, qui c'est qui a... C'est Brennos qui a dit ça, je crois. Malheur vaincu, quand elle est venue, quand elle est venue prendre Rome. Encore ? Et qu'est-ce qu'ils me veulent, Massilia ? C'est fou, hein. Ils m'envoient tout. Il m'aime bien, je crois. Ouais, même pas. Quand je vous dis, hein, quand ça commence, après, c'est tout sur notre tronche. Hein. C'est infect. Y a rien pour les... Ah ouais, c'est vrai qu'il y a rien pour... Pour l'industrie, c'est dommage. Allez ici, agriculture. Enclos à chevaux, et ça, on est bien. Et... Est-ce que je peux dissoudre mes unités ici? Ouais, ça passe. Alors, on va dissoudre les mercenaires qui me coûtaient encore cher. Hein. En plus, je peux attaquer direct dans le TA, c'est parfait. Là, ils attaqueront pas, comme d'hab. Ah bah, ils sont barrés. Attention qu'ils passent pas par là, par contre. J'ai un accès militaire avec Rome ou pas? Si j'ai un accès militaire avec Rome. De la part du Sénat, bienvenue. De ma part, bienvenue également. Et faites-moi part de votre sagesse. Ouais, j'ai pas d'argent. Après, j'y mettrais bien une unité juste pour voir ce qui se passe en fait. Si jamais ils veulent venir ou pas. Pas Rome, hein, mais. Massilia, genre de là. Allez, on va mettre un peu de vision. Ok, les prétendants de Kama, du coup, ils sont là. Ah, y a deux unités, hein. Les menhirs ardents, ouais. Ok. Faudra pas hésiter à donner un coup de main au cas où aux Cimériens, si vraiment ils se font bouffer. Qu'est-ce qu'il fait, Rome? Qu'est-ce qu'il est... C'est bizarre que ça ait duré aussi longtemps le tour de Rome. Alors soit il a vraiment bougé, il s'est passé des choses, soit il est venu m'enquiquiner, j'aime pas ça. Qu'est-ce que tu me veux toi? Dégage! Allez! Va embêter, va voir ailleurs si j'y suis, comme on dit. La route s'offre à nous. Oh, j'ai perdu une unité de cavalerie à cause de ces bêtises, lui. On va apporter des renforts, hein, c'est pas grave. Heureusement que j'avais de la... Un peu plus de lanciers lourds. Hein. D'ailleurs... Ok, c'est ça. On va recruter nos agents, hein, ce tour-là, voilà. Ça s'appelle comment? Dignitaire, du coup, ici. C'est ça. On va recruter des dignitaires à déployer localement.
un ici et un ici. C'est qui c'était elle? Ouais, non. Je sais plus. Si, c'est ça. Et on va recruter des champions. Parce que j'ai vu que mes champions étaient tombés. Bah, force de vieillesse, hein, tout simplement, hein, d'âge. Moins de coups d'entretien, parfait. Hop. Ouais, là, ça se passera tranquillement. En vrai, il n'y a pas trop de reconstitution. 4 hein. Tours. C'est pas génial. Galicée. On continue. Juste voir au niveau du... C'est très bien, tout ça. Ordre public, c'est parfait. Petite résolution automatique, voilà. Mode agressive. Pillage, oui, pillage, c'est bien, pillage. On rase. Très, très bien, tout ça. On remet notre culture, bien évidemment. On va même faire un puits, comme ça, niveau ordre public, ça sera maximisé. Istros, allez, c'est parti pour de la construction Istros. On a bien amélioré, c'est bien, niveau nourriture, pouah, 110, ah ouais, on est vraiment large. Que ça va vite, ça peut aller très très vite. Hein. Attention quand même. Allez, terminons ce tour. Ah, les Boyens, ceux qui se rapprochent de Noria. Traité de paix de la part. Il propose un traité de paix, je valide. Serez-vous à bord tout seul? Parce que c'est clairement pas mon avantage, cette guerre à l'ouest. Voilà, ça me permettra de simplement de bien m'occuper des Boyens. Oh, Ponto Caspia. Qui d'ailleurs, voilà, ça ramène leur fiac. Pour parler poliment. On va recruter en urgence hein, quelques lanciers lourds. Et on va surtout continuer, on va les prendre tur. On va les prendre tuer rapidement. On sait qu'il n'y a aucun danger par là-bas. Oula! Voilà. Restez sur la route, les gars, c'est mieux. Oui, champion. Allez, va t'occuper de là-bas, l'entraînement militaire. Toi, tu t'occupes de cet entraînement militaire. Toi, tu t'occupes de cette région. Qui est... T'es qui, toi? Ah, oui. Toi, je vais te mettre là. Voilà. Toi, tu vas aller là. J'en avais pas un dernier, là? Non, j'ai tout... Oui. Ouais. Ça a l'air bon. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais prendre cette unité-là. Et je vais l'emmener à Uburzis. Uburzis? Non, si. Je vais l'emmener à Uburzis. Et maintenant, vu que j'ai pas de risque de me faire attaquer par ma CIA, je vais faire revenir cette armée-là. Allez, on va développer un peu là. J'ai pas d'agriculture, ça sert à rien. Oui. tac. Il n'y a pas une... Allez, voilà, il y a les Boyens hein, qui sont là. Allez, les Dorcy, occupe-toi, s'il te plaît. Voilà, Petrodava. On va pouvoir passer ce tour. Prochain tour, je pense que je vais attaquer la Bithynie. Oh.
jamais vous gagner, les gars, même en embuscade. Hein. Résolution auto, ouais. Non, mais non. Allez, on va mener la bataille sur le champ. C'est pas grave. Ah. Surtout avec des lanciers lourds et de la cavalerie comme j'ai. Hein. Quoique, lancier lourd, c'est tout. Ouais, ça devrait passer. Donc on fait une petite embuscade, hein, toute gentille. Hop. Donc ils sont sur le côté. Bah qu'est-ce que je fais, moi du coup je me mets comme ça. Hein. Une unité de frondeur derrière. Ah bah allez les gars, c'est fini là. Hop, allez on se positionne le plus vite possible les gars. Les frondeurs là derrière, ils vont pas faire long feu, je vous le dis. Voilà, on se place. Eux ils sont déjà bien. Eux, pareil. Eux, pareil. Et eux, pareil. Ok, on en a fini avec leur unité de frondeur derrière. Voilà, on va juste attendre que les... qui soit bien hop voilà. J'ai quand même une unité qui a pris cher, hein. Je sais pas laquelle c'est là, eux là ils ont pris tarif. Hein. Ok, la lancerie, cavalerie mercenaire, sont moyennes. Ouais, ouais, ils sont même pas au complet en plus. Hein. Ouais, on va se mettre de côté. On va faire une bonne charge là de côté là sur la, les cavaliers lanciers mercenaires. Hop, on inspire un petit coup. Et voilà. Bon, il ne charge pas ouf. Hein. Là, je vais leur retirer ça. Hop. Je leur fais tactique face à la cavalerie. Je leur fais bien attaquer la cavalerie. Comment ça? Comment ça? Ils sont en train de partir. Ouais. C'est une blague? Pardon? Moi je préfère. Allez, on recule. On a fait pas mal de pertes. On n'hésite pas à y aller là. On remet de la pression. Qu'est-ce qu'ils ont? Tu sais que je peux me barrer, hein, j'en ai rien à foutre de toi, mon ami. Hein. Moi c'est ton général que je vais charger, hein, si tu m'embêtes. Hein. Ok, bon bah je vais charger ton général. Hein. Ouais, c'est tout simple, hein, on va pas s'embêter. Hein. Voilà. Puis on va partir, vu qu'on a une unité de... J'ai dit on part. Qu'on a une cavalerie de choc. Voilà, on lui aura fait... On lui aura fait pas mal de mal, hein, en lumière. Hop, 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 hop. Par contre, vous restez au corps à corps, moi. Voilà, vous vous restez au corps à corps, il n'y a pas moyen que vous partiez. Comment ça, ils sont en train de se barrer là, yo, oh, les gars. Allez. Ah, vous avez beau être lancé vétéran là, hop, rien à foutre. J'ai pas de... Ah si, mais c'est eux, en plus, oh là là. Putain, là, les cavaliers lanciers là, ils tiennent, hein. Ils tiennent un peu trop à mon goût. Hein. Allez, on va décaler, faut pas que le général là, il se fasse charger. Ça c'est pas bon ça par contre. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Je commence à m'énerver là. À retenir ma cavalerie avec 3 unités et demie là. Ça me fait perdre du temps, c'est pas bon pour moi. Voilà, allez. Allez, on va charger son unité là de... Son unité là, les hommes libres enrôlés là. Son unité légère du coup.
là. Alors ça pue par contre. Là ça pue. Là il a compris ce qu'il fallait faire. Voilà, bon, on fait une bonne charge là. Il est toujours pas revenu lui. Si, il est revenu, hop. Hop, il faut que je me retourne absolument, j'ai pas le choix. Il va falloir que la cavalerie tienne hein, par contre. Je vais prendre bouclier. Ouais, j'ai fait fuir son unité. Ah, il a des bonnes unités quand même, mine de rien, salaud. Ce salaud là, il a de bonnes unités. Hein. Arrêtez là, arrêtez de fuir pour rien là, les gars. Oh. Ah si, bon là vous fuyez pour quelque chose. Allez, je vais charger là-bas. Ça l'aidait un petit peu. Non, 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 pas de retrait là. Oh là là. C'est pas vrai ça. Ah, je joue toujours à une unité inférieure, c'est fou. Voilà, lui le pauvre, c'est compliqué hein. Oh les gars, vous êtes 51. Vous clignotez pas? Voilà. Ça va être très très compliqué cette bataille. Je pensais pas qu'il avait des unités aussi puissantes. Ok, on décale, on va charger le général ennemi. Le général ennemi mort, ça devrait être un peu plus simple, on va dire. Moins compliqué du moins. À moins que... Non, je préfère les charger eux là-bas. Ouais, 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 j'arrive, les gars, j'arrive. Arrêtez de stresser, arrêtez de paniquer. Non, 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 toi, non. Ah là là, là là, là là, ils ont fui juste avant d'arriver, là, c'est pas moi. Ah, ils ont fui pour demain, en plus, en essayant. Ils sont barrés de chez barrés, quoi. Allez, si j'arrive à me débarrasser d'eux, là, je serai en... pas forcément meilleure posture. Allez les gars, allez les gars là, oh. Allez, j'ai fait une bonne charge là, c'est pas vrai, tu parles d'une charge pourrie. Oh, vous chargez avec quoi? Avec des bacs d'eau? Ça se passe comment? Arrêtez de vous replier pour rien aussi, la purée, c'est pas vrai. Putain, prenez exemple sur votre général là, hey. Votre général il a fait toutes les pertes. C'est à peine si je mens. Allez là. Heureusement que vous avez un général qui fait quelque chose hein, parce que bordel. Comment ça mur de bouclier? Ah, oh, purée, en plus il fait chasse à l'homme quoi. C'est pas bon, hein. Attaque en mêlée. Morale surtout, et ouais, morale. Je suis obligé d'attendre la fin de chasse à l'homme, sinon ils vont jamais tomber à cause du moral quoi. Il devrait se dissoudre à la fin. Allez. Petit coup d'inspiration, comme ça ils tomberont pas. Hein. C'est bon. Allez, formation en coin les gars, je veux pas savoir. Non mais par contre ils sont 20. Ils sont 20, ils ont le malus chasse à l'homme en plus et ils ont battu les reins. C'est quoi cette blague? Allez, ils sont 6 là. T'as pas à me dire qu'ils vont tenir à 3 là. Ils sont 4. On a foutu 3, 4, c'est pareil. Ils étaient 160 de base. Tu vas pas me dire qu'ils vont tenir à 3. Pas à 4. Mais pourquoi ils fuient? Non mais regardez, ils tiennent à 4 aussi. Il y a de l'anti-jeu là, c'est de l'anti-jeu, je suis désolé. Ah, pour moi c'est de l'anti-jeu là, y a rien d'autre. Ouais, c'est rien d'autre que de l'anti-jeu. Hein. Ils fuient, ils viennent de se reconstituer, ils fuient déjà. Oh. Allez là, pendant qu'ils ont chassé l'homme, eh ben, ils ont pu chasser l'homme. Génial. Mur de bouclier, bah ouais, du coup ma charge elle fait pas ouf, hein, mais bon, j'ai pas le choix que de charger de face. Je perds beaucoup d'unités. Attention, il se rapproche. Ouais, bon, on va jouer à la charge. Hein, et... Je vais perdre petit à petit, je vais perdre sur le
le long feu. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu 2 unités, ça y est, tu pleures. Regarde en face, ils sont 4. Quoi? Putain. Bon. On dépenku, hein. Attends, là, je suis accompagné penku. On a tué plus en face. On a tué beaucoup plus. Mais bon, je suis accompagné de penku. Donc je peux pas faire grand-chose. Ils ne font rien, ils sont inefficaces. Regardez, il y en a un là, 29 victimes, il en a tué. Sérieux, regardez le général. 330. Bon bah... 330, hein, vraiment... des unités qui ont servi à rien. Là, ah, ils méritent le fouet, ils méritent la corde. Hein. Mais pas la corde pour fouetter, la corde, tu les fouettes et tu les pends en même temps. Ah, je veux pas savoir, hein, c'est... Bah si, il y a Nervien, rien à foutre. Pardon. Alors, comment ça les rebelles? Les rebelles, moi j'en bouffe au petit déjeuner, les gars. La résolution auto... Pardon. Alors, on va faire des... On va faire un petit peu de défense, là. Je veux pas recruter, hélas, de mercenaires. Il n'y en a pas assez. Voilà. Bia, je suis assez protégé. On va faire tomber Tur. Résolution automatique. Très bien. Je pille. Bien évidemment. Et je rase. Un tank à avoir, un moral bas, autant y aller à fond. Non, je vais pas faire ça, je vais faire ça. Je vais mettre mon espion là-bas. Comme ça, il verra un peu l'intersection, comment ça se passe. Donc si jamais je me fais attaquer, je serai prévenu. Alors, on va faire tomber Nicomédia. Prendre des unités de mercenaires en passant. Parfait. Donc on fait un blocus. Il y a même quelques armées. Hein. Ouais, c'est pas important. Résolution automatique. Mode agressif. Je pille. Bien évidemment, j'y retourne, résolution automatique. Et je rase. Ils sont pas... Ils sont encore en vie, tiens. Pourquoi pas. Hop, on fait de la défense. Eux. On dissout les mercenaires et on va attaquer là les gardiens de, du pont. Quand ils sont vraiment encore en vie. Bitly. Non, très bien, pourquoi pas. Allez. Dacia, Pannonia, Nina. Ah ouais. Non, ça c'est pas intéressant. On va faire ça et ça. Voilà, ça aussi c'est bien. Ah oui, Bitinia, bah oui, 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 j'ai oublié aussi. On va peut-être débat quartier un tour ou deux. C'est un oubli de ma part, ma foi, ça arrive. Quand on entend les Galati, pas ouf. Ouais. Ça me fera une tête de pont. Ça pourrait être pas mal, ça. C'est un bon jeu de mots, là. Désolé, hein, désolé à vous, mais... En vrai, moi j'ai aimé. J'ai aimé la faire cette blague. Il n'y avait pas une armée là qui était dans le coin là, une armée. Ils sont là les boyens. On va reculer, on va faire un.
Une embuscade. Ok, on va passer de l'autre côté, on va aller vers Urzis. Ouais, tranquillement, on est bien. On a le temps. Terminer ce tour. Ouais, Rome qui est long à passer ses tours, mais peut-être que ça doit être parce que je dois avoir de la vision un peu dans le coin. Sérieux? Sérieusement, il est à la portée? Il a vraiment eu la portée? Bah, résolution automatique, hein. Je pensais pas qu'il avait la portée pour aller attaquer Istros. Hein? Attends. Ah! Non, d'accord. Oui, non, ça je m'en fous, Istros. C'était son ancienne capitale pourrie, là. J'en ai rien à secouer. Bah, du coup, voilà. Petite embuscade là, c'est gratuit. Il avait une bonne armée en plus. Ça me va. Hop, je fais un peu d'esclavage. Un peu d'esclaves, je veux dire. Que j'esclave, ça se passe bien. Ouais, et là on va vraiment faire ça bien sur cette armée. Je veux que ce soit une armée très offensive. Allez, je tue, j'ai pas besoin d'autre. Voilà, on va juste aller se reconstituer un petit peu. Voilà, un peu plus de traits. À ce niveau là on y est le tour prochain, ça c'est bien. Je vais en profiter pour aller sur Guise, hein, écoute. Si je viens tout mettre là, pas de problème. Hein. Ah, ils vont peut-être reprendre Galicée le tour prochain, c'est pas important. Je vais me mettre là en embuscade. Voilà. J'ai l'impression qu'ils perdent la nourriture. Hein. Le vol, j'ai l'impression que ça a bien marché. Hein. On a combien là? Moins 99, 2 par tour. Ouh, ça joue pas grand chose. Hein. On va mettre combien? 15. Ouais, je vais me grouiller d'aller là-bas. De toute façon, je l'ai bien. Ah bah les Darcy, ils les ont finis, c'est parfait. Allez, on développe Tur et Galicée. Et on va finir ici pour ce tour-là. Ah zut, j'ai oublié encore ça. Waouh. Bah dis donc, il y a de l'amélioration à faire. On va faire ça, ouais, de l'argent, c'est bien. On a besoin d'argent. Voilà. Et on va finir ici, du coup, pour aujourd'hui. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous propose de me retrouver demain pour la prise de deux ou trois villes Boyens, je ne saurais pas dire. On va juste attendre à la fin quand même du tour au cas où, voilà, pour l'embuscade à marcher, ça c'est bien aussi. Mode agressive. Ouais, ça remonte, parfait. Voilà, et là je vous dis. Je vous dis pas de suite, hein, mais je vous le dis très bientôt. Suspense. Allez, c'était Thiob. Ciao!